Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, c'est un grand retour en arrière pour moi. Parce qu'on va se retrouver à l'endroit où j'ai fait mes 3 jours. C'était il y a fort longtemps. Aujourd'hui, on va faire une quiche Lorraine. Salut les amis lorrains. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire une quiche Lorraine? Alors, il faut des œufs, en l'occurrence 4. 200 g de poitrine de porc en lardon. 250 g de pâte brisée salée. Du jambon. 10 centilitres de crème fraîche, 1 demi-litre de lait, de la muscade, sel, poivre et un tout petit peu d'adresse. Allons-y, on commence par faire revenir les lardons dans la poêle. Évidemment, sans gras, on les met à revenir, un peu vite mais pas trop. La deuxième chose à faire, pendant que les lardons sont en train de revenir, c'est de poncer son moule à tarte. Alors, on prend notre pâte brisée et le tour est joué. On a un bon fond de tarte. Les lardons, ils sont un peu dorés suffisamment. On va couper la chaleur. Pendant ce temps-là, on va préparer notre appareil. On va casser les 4 œufs dans notre cul de poule. On va mettre de la muscade sur les œufs, sel, poivre. On va y ajouter notre lait et notre crème fraîche. Et on mélange le tout. Il faut éviter de battre les œufs avant de mettre les autres éléments. Dès qu'on bat des œufs, en cuisson, ils montent. Le principe de la génoise et de tant d'autres choses. Donc on ne les bat qu'avec le liquide, en l'occurrence là. On réserve, on prend notre jambon, on le coupe en petits dés comme ça. On prend le jambon qu'on éparpille sur la pâte. Nos lardons par-dessus le jambon. On a préalablement, bien sûr, mis le four à chauffer sur 180 degrés et on va ensuite recouvrir avec notre appareil. Voilà. Certains mettent un peu de gruyère par-dessus. Moi pas, je déconseille. On enfourne comme ça et on va avoir une belle petite quiche. A tout de suite. Ah, ça bip. Alors, waouh. Une belle petite couleur. Voilà, une quiche Lorraine. Alors, comme vous pouvez le remarquer, elle a monté un peu. Et j'ai pas battu les jaunes et les blancs. Donc imaginez si vous les battez, ça va monter ici, ça va déborder. Naturellement, elle va retomber un peu le temps de refroidir. De toute façon, il faut attendre un peu parce que ça se mange tiède avec une bonne salade. Ou éventuellement, froid. C'est très bon aussi. Elle est pas belle ma quiche ? Alors, les amis lorrains, les copines lorraines, à vos fourchettes et bon appétit! Alors, tout se passe bien ?